Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Manu Berzweiler, que vous comprenez bien, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le domaine de l'investissement et un peu plus de 3 ans eh bien, que j'accompagne plusieurs centaines de personnes à avoir des compléments de revenus, voire même de faire le large financièrement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un domaine qui me tient à cœur, à savoir l'éducation financière. Parce que je remarque une chose, et moi-même j'ai été confronté à ce problème, c'est que quand je suis sorti eh bien, le domaine universitaire, j'ai tout simplement été confronté en fait à oui avoir un bon salaire, avoir un CDI, mais à ne pas savoir comment eh bien, tout simplement gérer ce salaire. C'est-à-dire que cette société de consommation eh bien, m'a tout simplement mis dans un moule et de oui eh bien, consommer mon salaire jusqu'à la fin du mois et au final de ne jamais être en sécurité malgré mon CDI. Et j'aimerais mettre le doigt sur une chose. On est toujours éduqué à dire et des bonnes notes, ensuite tu auras un bon salaire et une retraite. Eh bien, est-ce que c'est vraiment une sécurité? La réponse est non. Comme on le voit à l'heure actuelle, un CDI n'est plus preuve de sécurité. Par contre, eh bien, quelqu'un qui gagne 2000 euros et au bout de 6 mois, 1 an, 5 ans, arriver peut-être à 5000 euros de côté ou plus, eh bien là, oui, c'est une preuve de sécurité parce que c'est là où eh bien, elle va pouvoir tout simplement, pourquoi pas, aider sa famille, aider ses amis, aider ses proches et s'aider même soi-même avant toute chose. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, d'important. Eh bien, de s'éduquer financièrement, de savoir gérer son argent et pourquoi pas aussi eh bien, de s'intéresser à des domaines plus larges de l'investissement. Donc, je finirai là-dessus simplement, c'est que à l'heure actuelle, eh bien, dans ce domaine où on est, à savoir l'entrepreneuriat, c'est qu'on va tout simplement eh bien, se restreindre, je dirais, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans, pour vraiment atteindre eh bien, un niveau de succès qu'on a envie d'avoir, un niveau aussi de salaire qu'on a envie de se donner et qui n'est pas forcément possible dans le domaine du salariat. Mais par contre, il y a quelque chose aussi à comprendre, c'est que oui, on va se restreindre. Oui, on va forcément, à un moment donné, eh bien, ne pas forcément se faire plaisir comme on le souhaiterait. Encore que je vous conseille vraiment eh bien, de vous satisfaire par des petites victoires, par des petits cadeaux, si je puis dire, peut-être journalier ou quand vous avez atteint un bel objectif, de vous faire plaisir avec quelque chose, mais qui ne vous mettra pas dans l'embarras les semaines, les mois à venir. Mais ne soyez pas frustré aussi, c'est quelque chose aussi que je peux voir, c'est cette frustration au quotidien de certains qui ne vont jamais se faire plaisir tant qu'ils ne vont pas atteindre un haut niveau de succès. Et ça, c'est quelque chose qui, au final, est à l'inverse aussi de ce que l'on veut, puisque on veut vraiment évoluer, mais ne pas être esclave de son travail, mais plutôt réussir à faire travailler l'argent à notre place et ne pas tomber dans l'inverse, à savoir toujours être en quête de réussite et donc être esclave de son travail du moins et surtout de ses objectifs. Donc ça, c'est quelque chose à comprendre, c'est que pendant ces 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez peut-être vous restreindre plus que le souhaiterait cette société de consommation. Mais sachez aussi vous faire plaisir au fur et à mesure de votre évolution par des petites victoires. Donc c'était vraiment le conseil du jour. En tout cas, merci eh bien, de me suivre sur mes réseaux, sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.